Hello, mes héros et mes héroïnes, je suis contente de vous retrouver pour le moment inspiration numéro 33. Oh, oh, pas anodin celui-là, hein. Eh oui, c'est les chiffres de maître 3-3. Oh, 3-3. Alors, eh ben ça tombe bien, petit chiffre des maîtres. Je vais vous lire une intention du pape. Eh oui, du pape. Alors, une intention universelle. Attention, oui. Soyez tout oui. Alors, intention universelle. L'amitié sociale. Hey, hey, that is a question. L'amitié sociale. Ah, nous en avons bien besoin, n'est-ce pas? Oh, mon ami. Oh, comme je t'aime. I love you. Hug. Oh, callez-nous. Je t'aime. Alors, l'amitié sociale. Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres. Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire s'il te plaît, pardon, merci. Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévienne les conflits. Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur ni une attitude superficielle ou bourgeoise. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l'exaspération détruit tout pont. Pape François, encyclique Fratelli Tutti, numéro 224. Que dire après ça? Je vous fais de gros bisous. I love you. Ciao, ciao.